Et donc, il faudrait que les Congolais, tous comme un seul homme, puissent porter la voix de ces 10 millions de morts, des types de massacres qui ont été commis. J'ai cité Kasika, Kakobola, Tingi Tingi, aujourd'hui Kishishe, Tamugenga, Rugari, Bunagana. Tous ces espaces-là ont connu des massacres des populations. Et évidemment, au niveau du ministère de la Justice, on est en train de documenter tout cela pour que désormais il y ait un dossier solide qui soit envoyé au niveau de la Cour pénale internationale. Parce que l'impunité fait qu'il y ait ces guerres cycliques qui reviennent. L'hypocrisie et la complicité internationale sont l'œuvre de la désinformation. Lorsque la communauté internationale n'a été nourrie que par les discours de Kagame, évidemment, elle ne pouvait que s'aligner sur ce que lui veut. C'est pour nous l'occasion de briser cette complicité et l'hypocrisie internationale en donnant la vraie information de ce qui se passe sur les terrains. Il faudra qu'on retienne que ce qui se passe à l'est du Congo est une guerre économique. Parce que c'est le coltan qui est visé, c'est la cassitérite qui est visée, c'est l'or qui est visé et c'est le polychlore de la mine de Soninké qui est visé. J'ai intitulé cette vidéo « Le massacre à l'est de la RDC bien expliqué ». Parce que qui d'autre peut mieux le faire que Julien Paluku? Julien Paluku, une personne qui maîtrise bien l'histoire des massacres dans la partie nord-est de la RDC. Il a été gouverneur des provinces du Nord Kivu pendant plus de 10 ans, donc de 2007 à 2019. Mais avant cela, en 2094, année des prises de pouvoir de Kagame au Rwanda, à 2006, M. Paluku a été professeur, maire de la ville de Butembo, maire de la ville de Beni et député provincial. Je m'appelle William Muyuku et je vous parle à partir de Toronto au Canada. Dans cette émission, je vous présente 27 minutes d'une vidéo de plus d'une heure du briefing hebdomadaire des travaux des ministres et du gouvernement congolais. Je me suis concentré sur les parties qui expliquent mieux les massacres qui ont eu lieu dans le nord-est de la RDC, tels que présentés par le ministre Julien Paluku. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Ouvira Online. Ça nous fera grandement plaisir. Je vais brièvement parler de trois axes. L'axe de la guerre, l'axe des accords et l'axe des massacres. En fait, comme tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est victime depuis 1994, lorsqu'elle a accueilli ces milliers de réfugiés qui venaient du Rwanda, après que certains d'entre les Rwandais aient commis le génocide. Et donc, nous avons accueilli ces gens à Goma, en 1994, d'ailleurs j'étais présentement à Goma. Et c'est depuis lors que nous avons connu des successions de guerres. Parce que 2 ans après, c'était la guerre de l'AFDEL en 1996. 2 ans plus tard, en 1998, c'était la guerre du RCD. 6 ans plus tard, en 2004, c'était la guerre de Jules Moutebousi et Laurent Kunda à Bukavu. 2 ans plus tard, en 2006, c'était la création du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Une année plus tard, le CNDP recommence dans les Massissi en 2007. Là, je viens d'être élu gouverneur. Jusqu'au point où on est arrivé à la porte de Goma, c'était le 29 octobre 2008. Et cette guerre a fini par une négociation qui nous a conduit à Nairobi. Mais en 2009, on a repris la guerre. En 2012, le mouvement s'est transformé à M23 et nous voici en 2022. C'est ça la succession des guerres que la région a connue. Alors, cette succession des guerres a amené souvent la République dans un état de faiblesse à l'époque à pouvoir se livrer à des négociations et des accords.
C'est ainsi, par exemple, que déjà en 99, il y a l'accord de Lusaka. En 2002, il y a l'accord de San City. En 2008, maintenant, la RDC signe les actes d'engagement avec les CNDP et tous les groupes armés. C'était le 23 janvier 2008. Et finalement, le CNDP n'était pas satisfait, reprend la guerre en juillet de la même année, jusqu'à nous amener encore à un autre accord que nous sommes allés négocier à Nairobi. Lorsque vous vous rappelez, Olusegun Obasanjo était désigné par les Nations Unies. Et Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, était désigné par l'Union africaine pour nous amener effectivement, encore une fois, à signer avec ces rebelles, ce qui a fait que de tous ces accords-là, ils ont abouti par l'intégration de ces anciens rebelles au sein de notre armée. Et ça, ce sont des stratégies d'affaiblissement permanent de notre armée que nous avons connues de par l'histoire. Alors, on est revenu, après ces accords de 2009, encore une fois à la guerre, comme je l'ai dit, jusqu'à la capitulation du M23 en 2013. Mais de toutes ces périodes-là que je viens d'évoquer, c'est le troisième axe, c'est l'axe des massacres, ces gens n'ont cessé de commettre des massacres partout où ils sont passés. Vous vous rappelez les massacres de Kakobola, les massacres de Kasika, les massacres finalement de Kiwanja, c'est au nord Kivu, avec les CNDP, c'était dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008, et ces massacres étaient pilotés par Boss Contaganda, qui était le chef d'état-major général du CNDP à l'époque, à la tête Laurent Kunda. Il y a eu 150 civils qui ont été tués à l'époque dans la seule cité de Kiwanja. Et dans d'autres cités, il y avait des tueries ciblées qui ciblaient les communautés, effectivement, du territoire à Deruchuru. Alors, revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishishe. À part tous ces massacres que je viens de citer, les mouvements, que ce soit les CNDP, que ce soit les M23, ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Rutshuru pour créer la peur, pour créer l'errance. La preuve, c'est que tous les camps de déplacés que vous avez au nord Kivu, c'est des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc la stratégie, c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. C'est pourquoi nous avons à un moment donné communiqué sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Et donc Kishishe est une des localités situées à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito. Parce que le territoire à côté, peut-être que je ne sais pas si on pourra avoir une vue. Oui, parce que le territoire de Rutshuru a des chefferies. Il y a la chefferie de Bwisha et la chefferie de Bwito. Maintenant, Kishishe se trouve effectivement dans cette chefferie de Bwito où s'est commis le massacre. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 272 civils qui ont été tués. Alors, les discours de Kigali, les discours particulièrement de Kagame, c'est de dire non, ce sont des FDLR qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishishe, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si c'est qu'ils sont dans une église constituée de groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin, effectivement, de ce qui s'était passé au Rwanda lorsque une partie de la communauté avait été tuée. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur le sol congolais qui est en train de faire. Alors, FDLR, c'est un ingrédient qui utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. La preuve, c'est quoi? C'est que si vous voulez connaître l'âge de FDLR, il faut vous interroger sur l'âge du président Kagame. Parce qu'en 1990, il y avait deux armées en face. Il y avait le FPR, dans lequel était le président Kagame. Il y avait les Interahamwe, qui faisaient partie de l'armée de Habyarimana. Donc c'est ça l'âge moyen. L'âge moyen de ces gens-là,
C'est celui-là, 60, 70 ans, 80 ans. Et donc, continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDLR pour attaquer le Rwanda, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser les vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut organiser pour aller attaquer le Rwanda. Mais comme c'est une partie des génocidaires qui étaient restés au Congo et qui errent dans la forêt, si vous le voyez, c'est des vieilles gens qui vivent de la cueillette, de la chasse dans les forêts, qui ne peuvent constituer aucunement une menace. Alors, maintenant, la stratégie, c'est quoi? C'est de continuer à tirer sur cette fibre-là pour survivre, comme je l'ai dit, au niveau international, alors qu'il sait lui-même pertinemment bien qu'il n'y en a plus parce que, du temps où j'ai été gouverneur, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de combattants rwandais, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de réfugiés rwandais chez eux, et les statistiques aujourd'hui démontrent qu'il ne reste plus que autour de 500 éléments combattants rwandais en République démocratique. 500, je vous donne les chiffres. Alors, maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il sait s'attirer la sympathie de la communauté internationale en surfant sur le génocide qui a eu lieu effectivement au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyé du temps où j'ai été gouverneur, la stratégie de Kigali, c'est de les réinjecter encore une fois au Congo par un phénomène que j'ai appelé le recyclage. Il fait le recyclage des FDLR, c'est-à-dire une fois qu'on les a renvoyés et on les a registrés de manière biométrique, qu'est-ce que lui faisait? Il les renvoyait encore au Congo parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne survit plus au niveau international. Et la MONUSCO et toutes les Nations Unies à travers le HCR savent qu'on a fait un enregistrement biométrique et des combattants rwandais et des réfugiés renvoyés à Kigali et qu'on a retrouvé encore ces combattants rwandais sur le sol congolais renvoyés par le gouvernement rwandais et retrouvés parce qu'ils avaient été enregistrés de manière biométrique. Et donc c'est une stratégie qui a été montée pour aveugler la communauté internationale. Et heureusement que la gouvernance actuelle est en train de découdre et de déconstruire tous ces mensonges qu'on a filtrés au niveau international. Et l'attraction de cette communauté internationale, il le fait par les passes qu'il fait à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous voyez au Mozambique, il y a les djihadistes par exemple qui ont pris les gisements gaziers que Total allait exploiter avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait? Le président rwandais, il s'est dit prêt à envoyer les troupes rwandaises pour aller combattre les djihadistes, pour fermer la bouche aux Français. Et il fait de même pour la Centrafrique. Et partout où les Nations Unies ont besoin de troupes, effectivement, Kigali déploie ses troupes pour fermer toute la bouche des Nations Unies. C'est ce qui a fait que même le secrétaire général des Nations Unies, lorsque lui a posé la question de savoir ces armes-là viennent d'où, il a été incapable de citer le Rwanda, parce que tout simplement, il s'est dit, mais en citant le Rwanda, peut-être qu'il va dire, je retire toutes mes troupes dans les missions onusiennes qui sont disséminées à travers le monde. Donc, nous avons voulu replacer l'opinion dans un contexte de compréhension de la géopolitique internationale qu'il utilise pour se faire une santé politique, une santé en surface sur les génocides rwandais, alors qu'au Congo, il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir nullement du génocide. Et le discours que le président rwandais tient en disant que lui est le protecteur d'une communauté, c'est un discours qui vise effectivement à semer la haine pour exposer cette communauté-là partout où elle est. Alors que là où elle est, elle se considère comme ayant la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, quand lui développe un discours pour dire qu'il est protecteur d'une communauté, c'est comme s'il est en train de dire au monde entier que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vôtres, ils sont les miens. Donc au contraire, au niveau international, celui qui développe un discours de haine, c'est le président rwandais qui veut semer la haine dans les communautés qui vivent paisiblement en RDC et partout ailleurs. La preuve, j'ai été gouverneur, j'ai eu des ministres de toutes les communautés et il ne s'est posé aucun problème entre les communautés
qu'elles soient minoritaires, qu'elles soient majoritaires. Et moi, j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a deux ethnies et au Burundi, il y a deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des FDLR dans notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Là-bas, personne ne peut parler. La preuve, c'est qu'un musicien qui a seulement chanté pour une opinion qui a énervé le pouvoir de Kigali, il a été zigouillé tout de suite. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de leçons à donner à la République démocratique du Congo par rapport à la gouvernance démocratique, par rapport aux questions de paix et de sécurité. C'est plutôt les gouvernants de la RDC qui, par des passerelles de paix qu'ils veulent construire, qui veulent que toutes les populations vivent ensemble, qui veulent que nous puissions asseoir la paix dans la région des Grands Lacs, quand d'autres veulent nous niveler vers le bas en perpétuant les conflits. La violence. Donc voilà brièvement ce que je peux donner comme introduction pour la compréhension générale de la problématique, en citant par quand même un point. C'est l'aspect économique de la guerre. Le Rwanda a été au Congo de 1998 en 2003, pendant 5 ans, en créant les RCD, au motif qu'il venait poursuivre les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les deux outils ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et des cassiterites. Est-ce que c'est le coltan et les cassiterites qui conseillent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie, d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu, j'étais là, ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication des fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Masisi pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Masisi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Masisi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça. Et c'est pourquoi il a les soutiens, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassiterite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir trois types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons. Et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Alors, vous parlez de l'enquête internationale. Vous savez que ici au Congo, aujourd'hui, les Congolais sont très sceptiques par rapport à cette communauté internationale qui est accusée de complicité et d'hypocrisie
par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est. Est-ce que l'élément confiance dans cette enquête qui va bénéficier de l'expertise de la communauté internationale, vous le placez où, monsieur le ministre, quand on sait qu'aujourd'hui, les Congolais demandent à ce que la République démocratique du Congo se retire des instances, des institutions internationales ou même de rapidité ou de précipité le départ de la MONUSCO? Oui, l'hypocrisie et la complicité internationale sont l'œuvre de la désinformation. C'est-à-dire, lorsque la communauté, pendant tout ce temps, n'a été nourrie que par les discours de Kagame, génocide, haine tribale, évidemment, elle ne pouvait que s'aligner sur ce que lui veut. C'est pourquoi vous nous voyez, nous sommes dans tous les salons en international où nous sommes envoyés pour parler de la question de la RDC. Nous n'avons pas de raison de nous retirer des organisations internationales. Au contraire, nous devons profiter des espaces en international pour faire porter la voix de la RDC, comme les autres l'ont fait. Ils ne sont nourris que de ça pour construire l'image qu'ils ont aujourd'hui. Et donc ces espaces-là sont importants pour devoir expliquer à la face du monde ce que sont devenus les drames en RDC. Nous sommes à plus de 10 millions de morts. C'est 10 fois plus que les morts du génocide rwandais. Mais personne n'en parle en international. Et donc il faudrait que les Congolais tous, comme un seul homme, puissent porter la voix de ces 10 millions de morts, des types de massacres qui ont été commis. J'ai cité Kasika, Kakobola, Tingi Tingi, aujourd'hui Kishishe, Tamugenga, Rugari, Bunagana. Tous ces espaces-là ont connu des massacres des populations. Et évidemment, au niveau du ministère de la Justice, on est en train de documenter tout cela pour que désormais il y ait un dossier solide qui soit envoyé au niveau de la Cour pénale internationale. Parce que l'impunité fait qu'il y ait ces guerres cycliques qui reviennent. Parce que ce sont les mêmes acteurs, Bosco Ntaganda, Makenga, Laurent Kunda, Ngarouye, ce sont les mêmes noms qui reviennent parce que jamais un seul ou deux d'entre eux n'ont été sanctionnés. Donc je crois que c'est pour nous l'occasion de briser cette hypocrisie internationale, de briser cette complicité internationale en donnant la vraie information de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ministre Paluku, vous avez été gouverneur pendant longtemps dans le Nord Kivu. La Libye du Rwanda pour agresser la RDC de manière récurrente, c'est le FDLR. Mais dans les discussions aujourd'hui, Kinshasa ne présente pas des solutions pour que, ne fût-ce que ces 500 hommes, ces 500 combattants qui restent, puissent aussi quitter le territoire congolais et qu'enfin, Kigali ne trouve plus d'alibi pour tout le temps violer les territoires congolais. Quelles sont les solutions que propose Kinshasa pour que finalement, on ne parle plus du FDLR? Oui, je voudrais passer par un raisonnement par analogie. Lorsque le président rwandais parle de FDLR, 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 il faut seulement que l'opinion se pose une seule question. Quelle est la localité rwandaise qui a déjà été occupée par les FDLR, même pendant 2 minutes, pour qu'on dise que les FDLR constituent une menace? Donc c'est pour vous dire, c'est comme un épouvantail. Quand vous avez un champ de riz, vous y mettez des épouvantails pour les secouer et faire fuir les oiseaux. C'est en fait ça, c'est ce que représentent les FDLR aujourd'hui. Les combattants et les réfugiés ont été littéralement rapatriés chez eux. Jusqu'au point où Kigali voulait évoquer ce qu'on appelle la clause de cessation du statut de réfugié. Pour ceux qui connaissent en droit international, la Convention de Genève de 1951 permet au pays d'invoquer la clause de cessation du statut de réfugié pour dire que si pendant une période, les gens ne rentrent pas dans leur pays, ils cessent d'avoir le statut de réfugié dans le pays d'accueil. Et nous, à l'époque, nous avons été en Afrique du Sud à l'époque pour ne pas évoquer cette clause de cessation, parce que c'était une ruse que voulaient utiliser, encore une fois, les Rwandais pour laisser les résiduels qui sont encore en RDC comme des populations congolaises. Donc la RDC n'a jamais évoqué la clause de cessation du statut de réfugié qui est dans la Convention de Genève de 1951. Donc c'est pour vous dire que parmi les solutions, effectivement, il faut qu'on communique davantage sur des chiffres devenus minimes des FDLR. Et les Nations Unies elles-mêmes ont reconnu qu'il n'y a pas plus que 500 éléments qui errent à gauche, à droite, pour lesquels, d'ailleurs, à un moment donné, on l'avait relocalisé à Kisangani, avec l'objectif de devoir les amener dans un pays qui peut les recevoir momentanément avant de rentrer chez eux. D'autres disent, comme nous, on a toujours été poussés au dialogue chaque jour avec nos groupes armés, mais si parmi ces groupes qui sont au Congo, il y en a qui demandent qu'ils parlent au gouvernement de Kigali, il faut que la communauté internationale, à un moment donné aussi, ouvre cette passerelle de dialogue entre Kigali
et ses concitoyens, parce que ces réfugiés, ces Rwandais ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Il ne faut pas que Kagame commence à les rejeter comme si ce sont des populations congolaises dont il veut se débarrasser. Il doit comprendre que ce sont des populations rwandaises qui doivent rentrer chez lui, et lui, comme chef du Rwanda, doit les accueillir. Donc, cette stratégie de chercher toujours à laisser les Rwandais en RDC, il veut la maintenir en international, et nous, comme gouvernement, effectivement, on est en train de se battre pour que tous ceux qui restent là puissent être rapatriés chez eux. Et la grande stratégie du président de la République, c'est de construire son système de défense pour que des aventures ne puissent plus durer dans les années qui suivent. Parce que lorsque Kigali saura que dans les 24 heures de l'attaque d'une portion du territoire de la RDC, eh bien, dans les 24 heures, les troupes congolaises peuvent se retrouver à Kigali. Ce sera le jour où la guerre prendra fin dans la région des Grands Lacs. Et je voudrais peut-être, en une seconde, vous donner la parole pour conclure cet échange. Oui, moi, je pense que ce qui s'est passé à Rutshuru, c'est un drame. C'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Parce qu'il y a même des camps de déplacés qui ont été littéralement détruits par des miliciens, disons, de la coalition RDF et M23. Or, détruire un camp de déplacés est un crime de guerre, yeah. En même temps un crime contre l'humanité. Parce que cette humanité-là est violée. Deux, ce qui se passe n'est pas loin d'une planification d'un génocide au Congo, parce que des ethnies sont visées, les personnes sont tuées à cause de leur appartenance ethnique. Et ça, ça devrait faire l'objet des enquêtes au niveau international. Trois, il faudra qu'on retienne que ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre économique, parce que c'est le coltan qui est visé, c'est la cassiterite qui est visée, c'est l'or qui est visé, c'est le pyrochlore de la mine de Somikivu qui est visé, ce qui justifie la progression de l'armée rwandaise vers Kishishe, parce que c'est pour aller contrôler cette mine de la Somikivu pour y extraire le pyrochlore. Il faut que toute l'opinion le sache, qu'il n'y a pas de problème de haine ethnique en RDC, il n'y a pas de discours contre une communauté en RDC, c'est des ingrédients utilisés par le régime de Kigali pour survivre en international. Et donc l'ambition du gouvernement, c'est de couper cette liane sur laquelle le président Kagame s'est toujours accroché pour avoir un discours international, pour que finalement FDLR et tous les autres disparaissent, parce que le chef de l'État tient que nous puissions vivre en paix dans la région des Grands Lacs. Vous avez suivi que le président de la République a clairement indiqué que la RDC n'a pas de problème avec les populations rwandaises, la RDC a des problèmes avec le régime de Kigali, qui s'est constitué ici en terroriste dans la région, en se nourrissant des sang des Congolais pour survivre en international. Et je voudrais lancer le dernier message à la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale cesse de servir celui qui se nourrit du sang congolais par les entreprises meurtrières qu'il pilote à travers ces terroristes des M23. Si la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne veulent la paix dans la région des Grands Lacs, eh bien, c'est le temps de soutenir le gouvernement congolais dans sa démarche d'asseoir définitivement la paix dans cette région des Grands Lacs.